je crois bien que j'ai fait des bêtises. Et puis nous sommes des retraités. Est-ce que ça va bugger? Ah, oh, bah voyez. Ah, oui. Avec 13 clubs seniors répartis sur l'ensemble de la ville, le service animation loisirs propose de très nombreuses activités aux plus de 60 ans résidents à Limoges. Dans chaque club, les seniors ont la possibilité de pratiquer des activités traditionnelles, mais également des ateliers spécifiques. Notamment, dans certains clubs, vous pouvez faire de la danse, dans d'autres clubs, du mandala, dans notre club, des activités, des nouvelles technologies. Voilà, chaque club a sa spécificité. Pour accéder au club, tout d'abord, il faut être adhérent au service animation loisirs seniors, c'est-à-dire être âgé de 60 ans, résider à Limoges. Il y a un coût qui est de 5 € pour les personnes non imposables et de 15 € pour les seniors imposables. L'esprit est uniquement focalisé sur cette capacité à respirer. Comme une danse. Pourquoi c'est bien le tai chi quand on est senior? Parce que ça fait appel à la mémoire, à la coordination. Et ça porte un mieux-être au niveau respiratoire. Ouverture, inspire, un pas. Expire, casser la queue de l'oiseau. C'est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que ça apporte un équilibre, je trouve, aussi bien mental que physique. La séance vient de durer 1 heure, vous vous sentez dans quel état ? Ah, très bien, décontracté et vraiment bien. Quand on vieillit, on voit bien que les extrémités se rétractent et que la vie pourrait quitter un petit peu le bout du corps. Donc l'idée, oui, c'est de redonner de l'influx nerveux, redonner des hormones, redonner du plaisir et de la convivialité, redonner du mouvement, garder le mouvement comme centre, garder la respiration, donc ce concept de respiration et de mouvement, et la mémoire. Et cette forme de mémoire procédurale qui nous permet d'enchaîner notre journée dans une intelligence globale. Suite à un reportage d'un journal télévisé, on avait vu un reportage sur l'électronisme chez les seniors. Et de là, ma collègue et moi, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas mettre en place les connaissances de nos élèves, parce qu'ils ont des connaissances, au profit d'une génération qu'ils ne connaissent pas forcément, à savoir les seniors. Et oui, puisque vos lycéens, vos étudiants, ils sont de la génération digitale. Voilà, ils sont nés avec, pour eux c'est une évidence, alors que nos seniors, eh bien, c'est tout un apprentissage. Il y a beaucoup de craintes au niveau des seniors, puisqu'on entend dans les médias, maintenant on fera tout par Internet, une carte grise pour une voiture, déclarer ses impôts, tout passe par l'Internet. Donc quand on n'est pas formé à cet outil, eh bien on peut avoir des craintes et ça fait un frein pour pouvoir s'insérer, je vais dire, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Ce qu'il y a, c'est que bon, j'ai des enfants à la maison et quand j'ai besoin de faire des recherches sur Internet, je demande à ma fille de le faire. Quoi, vous voyez, ça serait bien que vous sachiez le faire tout seul. Hein, ça serait bien que vous sachiez le faire. Mais c'est pour ça que je suis venu ici. Messieurs, qu'est-ce que vous allez donner comme coup de main à votre stagiaire? En fait, on est à faire un dossier pour qu'elle puisse classer ce qu'elle aura besoin, tout ce qui est facture ou autre besoin, en créant des sous-dossiers dans un dossier principal. Quand c'est ici, c'est l'heure pile, donc c'est O'Clock. It is 10, 2, 8, 2, 9. L'objectif de cet atelier d'anglais, c'est de faire en sorte que les participants à cet atelier, en quittant cet atelier, aient les bases de la vie courante pour parler, parce que nos thèmes sont en rapport avec la vie de tous les jours. I am Liliane. My name is Annie. It's 5, 2, 10, parce qu'il nous manque
Voilà, pour aller à 10 heures. I live in Africa and I don't have the good accent. Me too. We have the same accent. Be careful, it is dangerous. I said, comment on le ressent? Et quand c'est ici la demi, half. J'étais nulle à l'école et que j'ai eu envie de reapprendre l'anglais. Jean, pas un mot d'anglais de votre vie et pourtant vous êtes venu ici. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Pour les voyages un peu, dans les aéroports. My name is Julien. Nice to meet you, Julien. Comment ça se passe, ces cours d'anglais? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à tous les deux? Oh, c'est une occupation, et puis bon, ben, j'ai toujours voulu apprendre un peu l'anglais, mais je suis très nul. J'étais nulle à l'école, donc... Ah oui, donc il n'y a pas de bagage préalable. Ah non, là j'étais... Donc là, j'ai voulu revoir un peu. Est-ce que ces étudiants sont appliqués? Oui, ils sont appliqués. Non, ils se débrouillent bien. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour leur jeter des fleurs, mais ils se débrouillent bien quand même. 15 ateliers de découverte sont ainsi proposés en semaine. Il existe également une offre de sortie culturelle nommée les Vendredis Évasion.